Alors, Rhinaorque. Qu'est-ce que c'est que ça? Et yo tout le monde, c'est Aquagon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas aujourd'hui vous qui avez des oreilles incroyables, mais non, c'est mon nouveau micro à 70 €. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que j'ai même pas mis mon pack de textures terrible. Est-ce que je le mettrai un jour dans la description? Peut-être. Et donc oui, vous avez dû remarquer que j'avais un micro d'une qualité incroyable. Et que putain, pourquoi cet achievement veut pas se casser en haut à droite là, casse-toi! Bref, j'espère que la qualité audio va vous sire parce que ça m'a coûté quand même cher et je compte pas le changer avant toute ma vie en fait. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis vraiment pas du tout échauffé. Donc admirez ma technique légendaire en PV. Bon après le mec est mauvais donc bon c'est normal. Oh mais non mais j'ai pas de. Oh il m'a vu! Oh là là non! Oh là, vais-je réussir à le tuer? Bah oui. Ok, cours, cavale, Kim, cavale. Il me poursuit pas. Ah il me poursuit! Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Mais il est con, il va tomber. Suicide skill! Alors, je sais pas pourquoi je sens que mon lit, voilà, est totalement détruit. Tiens, d'ailleurs, vous savez que grâce à ce nouveau super micro, et bah, je vois rien, en fait. Genre, littéralement, mon écran, je le vois pas. Genre, vraiment, là, c'est pas une blague. Tu me dis, qu'est-ce que tu vois sur ton écran? Je te dis quoi? Je te dis un micro. Oh là là, le mec est tombé dans le vide. Oh là là, mon brain a marché, incroyable. Moi je dis cette vidéo commence très bien, t'as mis des trucs? Non. Eh ben écoutez, je vais dès à présent aller chercher ce qu'on appelle couramment dans le milieu du diamant. Et vu que j'ai visiblement pas de base fixe, eh ben je m'approprie sa base. Tiens d'ailleurs, du coup je sais pas combien de temps cette vidéo va faire, mais je pense qu'elle sera très très courte parce que bah, j'ai encore une fois full devoir. Ah si vous voulez, voilà un ordre de grandeur, j'ai un devoir, ça m'a pris 12 heures actuellement. Et je dois encore un peu taffer dessus, donc je pense que je vais taper les 14 heures. Bon, je pense que tout le monde s'en fout, mais voilà. Moi, ça me fait mal, d'accord? Mon petit cerveau, il tient pas à ce rythme. D'ailleurs, mon petit cerveau vient de capter que la majorité des équipes sont très actuellement décimées. Sous-entendu, je vais mourir. Et sous-entendu, je viens d'acheter une armure en fer pour la passer en diamant 0,5 secondes après. Ou alors, ce que je fais, c'est que je fais comme les PGM et je privilégie les perles et les conneries comme ça plutôt que l'armure. Comme ça, je fais une partie rapide. Eh, ça pourrait être bien en vrai. Vas-y, on se retrouve dès que je tue des gens. Oh là, là, il y a quelqu'un à tuer! Chargé! Oh merde, il a une gapple. Vite, le tuer. Ok, viens de battre. Oh, il a une épée en diamant. Bon, pas de chance pour lui. Il est extrêmement mauvais en PVP. Est-ce que je perle sur sa gueule pour le tuer? En soi, en vrai, je pourrais. Genre, là, il va se retourner, il va essayer de... Voilà. Mais pourquoi tu fais ça, mec? Vas-y, remets-moi une... Voilà. Allez, viens de battre. Par contre, je leur mets trop cher, c'est abusé. Bon, je vois toujours pas mon écran, hein, mais c'est cool. Oh là là, il essayait de prendre les émeraudes. Oh, le petit fripon. Raté. Alors, par contre, j'avoue, le 2v1, c'est pas très bien. Du coup, je vais perle. En espérant ne pas... Oh, le chien. Bon, vous n'avez absolument rien vu. Hein. Les mecs n'ont pas du tout team-up contre moi. Hein. Je pense que c'était une hallucination collective. Je vais donc montrer à mon voisin qui sait faire les sneak des sneaks les plus beaux. C'est-à-dire comme ça. Le premier qui dit que je sneak des sneaks lentement, c'est une qualification de chacal qui part tout droit dans sa nuque. Oh non, j'ai cru qu'il allait tower, j'ai commencé à avoir peur. Ah, bonjour monsieur. Je me fais pas rush? Non, ça va. Non, mais attends, tu peux taper le vide autant de fois que tu veux, tu me toucheras pas, tu t'appelles pas Lib en fait. Ah, mais c'est le sud par là-bas. Ah! Il allait me baiser. Bon, par contre, ils sont vraiment nuls à chier aujourd'hui. Hein. Alors, oui, en effet, je me permets de faire ce que l'on appelle le jugement. Like Dieu, like Jésus, like Arceus, like tonton un peu foufou 3945. Lit détruit, ah bah ça c'est génial ça. Alors vous connaissez un peu ce qu'on appelle genre la phase d'infiltration. Genre en gros, vous mettez comme ça, vous cassez le lit du bleu, et puis voilà. C'était la phase d'infiltration made by Aquagon. Hope you enjoy and your liking de vidéo. If it is the case, et bah combo un mec sans avoir pris un seul coup. Alors pour l'instant j'ai pris genre 0 coup de la partie, alors j'adore hein. Oh il avait, oh la vache le nombre de ressources. Bah écoutez, je vais pas dire un nom. Oh non, il y a un chacal qui arrive. Hop, dégage! Ha! Chez, espèce de gentille personne qui voulait me tuer, du coup t'es pas si gentil que ça en fait. Fondamentalement, dans les principes français et normaux, tu n'es pas censé tuer des gens. Vas-y, on va tranquillement prendre quelques diamants, se casser somptueusement et acheter renforcement. Gueux, ça rime. Gueux. Mais Aquagon est bourré, ma parole! Alors, le mec en face de moi a volé, littéralement. P4, hein. Bah non, P3. Regarde, je sais faire comme toi. Je vole. Je peux même te tuer. Mais pourquoi tu sautes?
Mais le pire, attends, mais attends, mais il est mauvais en fait. Je suis plus que mauvais. Par contre, j'ai le record de kill. Bon, du coup, vu que je suis purement quelqu'un d'humanitaire, je vais très, très somptueusement protéger un peu plus mon lit. Non, parce que j'ai pas envie de mourir. Pas encore. Je peux te le dire, frérot, je vais te suicide kill. Oh, wow, il tape de loin. Wesh, lib. Oh, je te défonce. Ok, il m'a mis deux coups chelous. Un, deux... J'adore faire fuir les gens qui potentiellement me découvriraient. Ah non, mais alors c'est une réelle passion. Non, parce que tu vois, tous les nouveaux qui pourraient m'aider à conserver ces putains de 150 abonnés parce qu'on est encore descendu à 149, et bah toutes ces charitables personnes, et bah je les fais fuir. Alors, est-ce que c'est normal? Bah totalement en fait. Mais après, très très gentiment aussi, vous pouvez me dire d'aller me faire foutre. Et alors là, de cette même manière, je vous dirais également de vous faire foutre. Mais voilà, hein, il faut que vous sachiez que c'est pas forcément négatif. On peut dire ça gentiment, en pensant totalement ce qu'on dit, parce qu'au final, nous sommes des êtres humains normaux et ça, c'est beau. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que fait un être humain normalement constitué? Il fireball jump, voilà, bah oui, voilà. Il mange une gapple, il va voir dans le dos de son adversaire pour casser sa protection de lit, il la casse, son adversaire se retourne, me regarde, ne sait pas que j'ai une boule de feu, va revenir sur le pont, va essayer de m'attaquer, mais en fait non, j'ai une boule de feu. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait une boule de feu, donc ce qu'on va faire, c'est que... on va le tuer. Voilà. Voilà, j'ai plus de lit. Bah oui, mais c'était sûr. Bon, alors, du coup, maintenant, 10 contre 1, que le mec se suicide sans faire exprès. D'ailleurs, oui, en parlant de ça, faudra peut-être que je songe à m'enchanter un jour. Oh merde. Oh, il est mort. Let's go. La victoire, pas méritée du tout, la victoire. Bon, allez, ma dernière partie. Peu importe si je gagne ou si je perds, c'est ma dernière partie. Non, il vient chez moi. Oh non. Imaginez, je meurs là-dessus. Oh, alors toi, frérot, tu vas pas commencer à me casser les...